balandi misomo seka ya malewa mudemu. Awa tunana njili karte seti. Awa tuzumo na awa baoba. Baoba oyo imutaka mingi na zamba. Mito zumo na wana ijuwa barole bele za la vitamine C. Donc basse la ngo biloko ebele, basse la ngo ba J. Donc et jouer à barole ebele ndé tout le monde ngo wana. Voilà, c'est le moment de la dégustation. Encore un grand merci à Toukin. Ça se présente comme ça. Et je me lance. Je vais vous dire tout de suite mes impressions. Voilà, d'après les informations en ma possession, il faut sucer. Je vais essayer les deux méthodes. Je suce d'abord. Voilà, donc je viens de goûter. Donc directement, il y a un goût acide qui t'accueille dans la bouche. C'est trop prononcé. C'est très très prononcé. Voilà, ma fille est en train de commenter. Commente en même temps. Hein? À la base, c'est un peu plus... il y a un petit goût sucré à l'arrière. Mais ici, c'est très acide. À l'intérieur, on trouve comme une graine. Vous voyez? Je trouvais quelque chose à l'intérieur. Mais bon, ça dépend peut-être maintenant d'un baoba à l'autre. Il y en a d'autres plus sucrés que ceux-là. Celui-là que nous avons goûté, il est assez acidulé. Est-ce qu'on peut le croquer? Seulement sucer. Parce qu'il y a beaucoup de graines. Voilà, ma fille a déjà goûté ça au Congo. Hein, donc, elle me dit qu'on peut, on peut pas croquer. Faut sucer. Ah, c'est trop. Hein. C'est farineux en bouche, tu trouves pas? C'est très farineux en bouche. C'est très bizarre, très surprenant. Il faut avoir l'habitude. Moi, première impression... Par exemple, une femme enceinte qui a beaucoup de nausées, ça devrait aider. Hein? C'est assez acide. C'est pas infect. Mais c'est pas non plus top top. Hein? C'est pas le waouh. Hein? Dire waouh, j'ai envie de manger ça. Très bizarre. Donc, si vous avez déjà mangé ça, donc le pain de singe, vous pouvez venir nous expliquer en commentaire comment c'était. Voilà, j'ai trouvé à l'intérieur des espèces de boules de graines, je sais pas, comme ça vous savez. Je vais prendre un petit dernier. C'est vraiment acide. Il y a un goût d'acidité. Donc, je ne sais pas si je vais tenter de faire une espèce de nectar, de jus, comme j'avais vu maman on avait fait ici sur ma chaîne. Vous pouvez d'ailleurs y trouver la recette. Pour peut-être avoir une idée de ce que ça donne quand c'est en boisson. Peut-être que je vais l'associer à autre chose. Quelque chose de sucré pour casser l'acidité. En fait, pour casser l'acidité, il faut aller avec le sucre. Soit du miel, soit du sirop d'agave. Ou je ne sais pas trop quoi. Pour casser, voilà. Donc voilà, c'était la dégustation du pain de singe, fruit du baoba. Une première pour moi, c'est assez spécé. Voilà, je ne peux pas vous dire c'est bon, c'est pas bon. Je peux juste vous dire que ça a un goût acidulé. Donc si vous aimez les goûts acidulés, mais quand même pas, c'est quand même pas comme le citron. Voilà, les angaï. Que dire de plus? Voilà. L'émission Moseka de Malewa Moderne vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc c'était mon moment de dégustation. L'émission intitulée Première fois, donc c'est la première fois que je goûte ce truc là. Voilà, c'est pas mauvais, mais il faut s'habituer au goût, c'est acide. Et c'est très difficile à trouver. Et moi ici en Belgique, je répète, j'ai trouvé ça chez Toukin à Bruxelles. Voilà. Donc on se retrouve une prochaine fois. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin de ne pas manquer les notifications de mes prochaines vidéos. L'émission Moseka de Malewa Moderne vous dit au revoir.
Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle de l'émission Moseka de Malewa Moderne. The shadows start to fade.